Et bonjour à tous, Figo pour la suite de notre Let's Play sur Legend of the Dead sur les héritiers de Charlemagne. Nous reprenons pile poil là où nous étions arrêtés, c'est-à-dire en plein assassinat pour zigouiller Monsieur le roi d'Angleterre. Ah, je me suis fait choper. Je me suis fait choper. Du coup, lui me déteste. Mais lui est faible. 3927. Mais il a une alliance. Qui est-il? Qui est cette alliance? Ah. Merde. J'ai assassiné un proche du comte. En termes de légitimité, je suis un peu redescendu. On a les exorcistes. Hélène. Hélène, le comte. Il a obtenu très compté. Il a perdu le compte. Ok. Oh, pas besoin de le foutre en prison pour ça. Et lui, est-ce que t'es en train de gagner la guerre, vraiment? Vraiment? Ouais. Ouais, il est en train de gagner sa guerre. J'aimerais bien voir comment ça se passe. Ouais, il est complètement aux prises ici avec lui. Après... Vu qu'il est un peu occupé dans le nord. J'ai un médecin. Hey. Ok. Il y a de la thune. Il a dû demander de la thune au roi. J'ai vu un petit gain de thune là qui m'inquiète. Ok. Voyons un peu comment ça se passe ici. Ah, elle a fait une nouvelle alliance en plus. Putain. Bon, ça, c'est une alliance avec un faible. Ça, c'est aussi un peu un faible. Mais lui, il est pas faible, quoi. Il est pas faible, faible. Lui, il commence à avoir du mal. J'ai quand même pas mal d'hommes. Après, si j'entre en guerre maintenant, ça va me coûter cher. Pourquoi est-ce qu'il a 9000 soldats? Sur 12000. Levé. Il a 10000 levés, mais elle sort d'où ces 10000 levés? Que je les vois pas là, ces 10000 levées. Ah, des mercenaires et des soldats spéciaux. Non, ça fait pas 10000. M'excuse, mais ça fait pas 10000. Le feu de Saint-Joseph, c'est ça là? Oh non, putain, wow! Oh putain, elle est majeure en plus. Merde, du coup j'obtiens feu sacré. Oh merde! Ah non, il y a 15% de chance que je l'obtienne. Ouais, mais je connais ma chance, moi. Désolé, mais là ça a dépensé de la piété. Et j'ai une peste blanche en plus. Et un atout. Alors. Envoyer un cadeau, ça c'est bien, mais là tout de suite c'est compliqué. Confiance du complot visant à influencer. Prestige mensuel par autorité. Ah, ça c'est bien ça. Ça, se lier d'amitié, c'est super important. Est-ce que je peux me lier d'amitié avec le pape? Partie amicale. Si vous gagnez le pari, vous perdez. Ah, tiens, 10 opinions. Ok. Des flashs, j'ai un coup. Quoi? Quoi? Non? Non, non, non. Je vais essayer de... On va arrêter ça deux secondes. Je suis fort en quoi, moi? Pas très fort. On va pas se mentir, je suis pas... Il a gagné.
Fais pas de geste top 10, s'il te plaît. Yes! Le papy m'aime bien. Même plus, on va dire. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux essayer de nouer une amitié avec lui? Ok, doucement. On va essayer. Plus de chance que essayer de me faire pote avec lui. Le jour du jugement dernier. Oh putain, ça commence à être la merde. Il y a un culte apocalyptique. Mais ça, j'ai bien vos doigts pour l'épidémie feu de Saint-Joseph, le blasphémateur et les hérétiques s'exclament comme tout, tout ça sa fin, affirme que cette épidémie nous a été par Dieu pour marquer le début de la fin du monde connu, j'ai appelé le second avènement. Putain, merde. C'est pas les comtés que je contrôle. Allez, c'est leur merde. Oh. J'aimerais bien guerroyer, toi. Dépêche-toi. Faut que je me fasse pote avec tout ce beau monde là. Déjà, ils vont pas se battre contre moi. Et ensuite, ils vont être plus rapides dans ce qu'ils font. Ok, mais cette épidémie-là, là, elle vaut quoi, là? La peste blanche. Elle a l'air pas non plus trop dangereuse. Ah, j'avais pas vu que j'étais passé célèbre. C'est-à-dire que bientôt, je pourrais créer ma légende. Ça me coûte combien? 3,74 par mois. 340. Oh, putain, ça coûte cher, quand même. Et lui, il s'en sort comment, là? 3785. Et si je le zigouille? Soit dit, sans animosité. Hein. Juste si je le zigouille, qu'est-ce qui se passe? Il a frère et sœur. Ah, il a deux frères. Oh! C'est pas mal, le fait qu'il obtienne de... Est-ce que je l'augmente les chances? 1er février 1070. Ça va prendre 9 mois. Nous sommes en avril. Ah, calcul! Ah, mais c'est jusqu'à la fin du complot. Non, je vais faire comme ça. Comme ça, au moins, si je suis pas ami avec lui, en tous les cas, il m'aimera. D'ailleurs, si je veux lui redemander des sous, c'est combien de temps? 20 novembre 71, et il faut qu'il ait les sous aussi. Ok, comment ça se passe sa guerre, lui? Il est en train de gagner, l'enfoiré. À cause de ses troupes-là spéciales, il est en train de gagner, l'enfoiré. Mmh. 1200, 559, 500. Allez. Mais t'es où? Je m'interroge. Oh putain, il est loin. Je suis bon en martialité. Je suis éclaté en martialité. Et en plus, je suis un meurtrier. Faut le savoir. Tout levé. Allez hop. Allez hop, c'est parti! Ah oui, d'accord, il y a des chances qu'ils perdent, en effet. Et hop, c'est parti, du coup. C'est parti, plus vite. Complot découvert. Shit, 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 shit. Après, si je dis à lui... Ah, il est déjà dessus. Je mérite un mec. Oh putain, non, j'ai pas le fric. Non, on va attendre. De toute façon, ça va prendre 8 mois. Le temps que je zigouille tout le monde ici. Il a vraiment besoin de mon aide. Ah, fait chier. C'est plus le bon moment, du coup. Ouais, continue, continue. C'est pas grave, continue. 3 ans, ça devrait le faire. Non, on va aller là même. Hop, clac. Et un. Zizé.
Je obtiens malentendu, malencontreux. Et merde. Des vassals qu'on fait les cons. Ah, il me donne pas de sous, il me donne que de ça. Donnez-moi des sous. Yes, ça. Yes, ça. Je suis pote avec le pape, ça c'est bon, ça. 95, putain, le pape, il est content de me connaître, là. Pourquoi t'es devenu mauvais, toi? T'avais une bonne... Ah, putain, il est infirme. Bah tu vas quand même devenir mon pote. Nouer une amitié. Alors ça c'est capturé, c'est bien. Et ça, on va essayer de choper là. Ah bah il est... Ah! Arrange pas ça. Et cette guerre là, vu que lui, ça fait 4744, mais je vais devoir en buter combien? Bien, un moment où il n'y aura plus personne. Comme ça, plus j'assassine, plus rien. Ok, ça va coûter de la thune, mais de la renommée. De la renommée, ça... Ça, je crache jamais dessus. Hein. Rançonner. Ah oui, la thune. Évidemment, la thune. C'est un gosse. Par contre, l'autre... attendez donc, vous... Une femme enceinte, mais je ne suis pas un monstre. Mais je vais la garder avec moi. Et toi? Toi. Bon, on va attendre que t'aies la thune de payer pour ton gosse. C'est pas plus con que ça. Hein. Ok, bon. Il est en train de gagner sa guerre, putain. Et aller à Bourgogne. Traître. Aller aux Anglais. Pas mal, légitimité, elle monte doucement. Doucement, elle monte. Alors, obtient de la progression. Oh, ça c'est bien ça. Armée mon camp pour une... Non, ils me font un rapport. Moi ce que je veux c'est que ça se finisse vite. Ah, fais chier. Ah, fait chier, il a gagné sa guerre. Mais bon, à force de l'assassiner, ça devrait le faire, non? Allez, on rejoint la chasse. Allez. Ok, j'ai quel âge maintenant? Robin. Vagabond. Excellent, vagabond. En direct le vagabond. Bon, dans tous les cas, je veux qu'il meure. Parce que plus l'Angleterre s'affaiblit, mieux je me porte. Je peux toujours le guerroyer d'ailleurs. Non, même pas. Ah non, c'est parce que. Je me suis compris. J'aimerais avoir un truc. Toi, tu es de culture occitane.
Si je veux apprendre la langue. Et c'est ça, ça enlève mon. C'est un peu chiant ça. Ça va aider à se faire aimer encore plus. Ah merde. Ça. Ok, bon. À mon avis, il devrait bientôt se barrer. Ah, légitimité. Non, c'est lui qui a gagné. Merde, c'est lui qui a gagné la légitimité. Bon, j'ai gagné du. Ça là. Ça là, du prestige là. Donc je pourrais bientôt passer à. Je devrais peut-être économiser pour ça d'ailleurs. Mais j'ai tellement pas de sous. 6.2. Pour un roi, c'est pas ouf. Je vais économiser pour ça. Non, accord d'audience, là, ça va pas être possible. Bon, je suis connu pour être un tueur, donc autant. Et toi, ton principal successeur, ce sera. Ah, si c'est une femme, il y a des chances que. Il y a des chances que personne ne l'aime. Ah, il voudra pas. On va mettre ça là. Ah, voilà qui est bien jouasse. Faisons donc lui, tiens. Nouons une amitié avec cet homme. Ça se passe, les épidémies, là? Dysenterie du royaume. Qu'est-ce que c'est encore? Rien d'apparaître, ça. Chiant, la dysenterie. Oh, c'est très chiant, la dysenterie. Un point, alors. Chaque ami ajoute. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est pas mal. Les conquêtes ducales, c'est pas mal. Le fait que dans la branche diplomate, il y ait la capacité de faire un mariage sanglant, c'est affreux. On va prendre ça. Intention bienveillante, tiens. D'ailleurs, toi, tu es contre ça, mais est-ce que ça serait. Est-ce que j'ai un mec mieux que toi? Putain, non, il n'y a personne. Compétence moyenne. Il est passé à moyenne à force. Donc c'est pas mal. Ma femme d'ailleurs. Elle a quel âge? 8 ans. C'est une génisse. Pas mal. Aïe. Faut pas que je meure avant. Oh oui, la thune. Oui, les sous. Oh le fric. Oh le pape. Oh le pape copain. Chercher des indulgences. Nanana. Il m'aimera, c'est sûr, mais nanana. Ah, le fric, ça c'est pas mal. Je vais le garder déjà pour lui là. Ça me coûtait quand même un peu cher. Ensuite, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oh putain, ça se passe très bien. Du coup, toi, tu peux revenir à me défendre, je pense. Ouais, ça suffit. Tout le monde le déteste, ce type. C'est. Une très bonne chose. Il a une trêve avec l'Écosse. Il est allié au duc de East Anglia. Ok. Je pourrais faire une autre activité encore. C'est vrai que j'ai encore quelqu'un. Ça va me coûter trop cher. Grand mariage, j'ai encore pas mal d'années là, donc ça devrait aller. Un festin, je viens d'en faire un. Une petite chasse. Allez, pourquoi pas une petite chasse? Alors, non, c'est pas ouf. Alors que là, en Uzès, dans les montagnes, c'est à l'autre bout du monde, mais.
On va prendre des mercenaires et je crois qu'il y a un, il me faut un expert de la montagne. Voilà. Pas besoin de se détendre, essayer d'abattre une bête. Ouais, mais je suis nul pour abattre des bêtes. Je vais essayer plutôt de nouer une amitié. Encore. Allez, pourquoi pas. Ensuite, augmente la probabilité de réussite. C'est parti! D'ailleurs, Marie-Jeance, elle est où, Marie-Jeance? Elle est où, ma petite balance, là, pour la Régence? Remplis les coffres, là, tant que t'es rien, Régent, toi. J'aimerais bien construire, mais j'aimerais bien ça, aussi. Ok, c'est... Ouais, on est d'accord que la dysenterie, là, le roi Lyam, il... C'est quoi le mal de Raja? Oh, ça va, c'est à l'opposé. J'ai pas dû me douter par rapport au nom. Y a pas une carte des légendes, tiens? Quand je suis là-dessus, y a une carte des légendes? Non, y a pas encore de légende, j'ai l'impression. Ah, mais ça coûte un mètre de chasse. Combien encore pour être illustre? 3000. Réussi à nouer une amitié. Comment ça diminue pas les chances de réussite? Tout est plus dangereux. Alors, ça commence à quitter le complot là, c'est pas. Ouais, il faut un petit peu plus de temps là. Inviter, ça va me coûter cher. Alors, battrai moi-même. Ouais. Préparer Volance. Ouais, plutôt, ouais. Ah, on a réussi. Je crois. Si je mets. Oui, ça va, ça. Oui, je veux un bison. Oh oui, un crâne de bison. Oui. C'est pas trop mal. Il y a mieux, mais il y a moins bien aussi. Est-ce qu'avec les sous-objets, je pourrais inviter 110. Ouais, mais avoir le maître espion dans la poche, mama. Même si ça coûte 110. Mama, comment c'est bon. Je peux remettre lui là-dessus. Ok, alors, la tête de Bizang. Ici, là. Un petit... Dégage tout de suite. Je veux pas de ça, moi, je veux pas de l'aptitude décente. Qu'est-ce qu'il y a des angelures?
Voilà, elle a perdu en jeu. Voilà. C'est pas de la chance. Du skill. Alors lui, il voudra toujours pas. Hein. Non. Yeah. Non. Non. Attends, c'est lui qui m'emmerde. Mon beauf. Ouais, voilà. Pas envie de me faire chier. Ah merde. C'est bon, j'ai mon médecin, il va s'occuper de moi. Voilà, il va s'occuper de moi. Alors. Ah, un autre qui. Oh putain, elle coûte cher. Ah, mais c'est ma. Sa belle-sœur! Attends, mais je voulais pas que tu sois médecin, toi? Attends, mais t'es venu du coup? Hop, 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 hop. Le truc, c'est qu'elle est déjà médecin. Novice. Et lui. Il est médecin. Il commence à être médecin. Ok, elle, elle est meilleure. Oui, bah voilà. Ah, parfait. Parfait, parfait. Nous sommes donc amis. Tiens, toi aussi, deviens ami avec moi. Comme ça, tout le monde devient ami avec moi. L'amitié est une vertu. Ok. Ah, j'ai l'impression que te v'là dans la merde, ma bonne dame. Attends, elle vient de se faire défigurer ou... Elle est quand même alliée à lui, il est où lui? Barcelone. Ok, donc c'est... Ce sera bientôt un moment pour... Quick. Après, si je la bute, elle... Pendant que je fais la guerre à celui l'autre là. Ouais non, elle est intuable. Comment t'es qui toi? Ouais, ça commence à devenir compliqué de les buter là quand même. Ah c'est chiant, elle gagne sa guerre. Ah mais c'est parce qu'elle est alliée à quelqu'un, d'accord? C'est une guerre par alliance. Ok. Elle perd des hommes hein, par contre. Ça me plaît, ça. Est-ce que je peux toujours lui faire la guerre? J'ai toujours des revendications. Sur le duché de Normandie. Ou de Anjou. Normandie ou Anjou. Le truc, c'est que du coup, Barcelone va rejoindre la guerre. On va essayer de s'emparer de Carigliai, d'abord. Ah, attends. What? Ouais, non. Attends. C'est vrai que je suis loin. T'as lié à quelqu'un? Vérification. Ouais! Bon, t'as lié à personne, quoi. Déclarer la guerre. C'est vraiment juste pour l'argent que je fais ça, ça n'a rien de personnel. On se méprend, mais ça n'a rien de personnel. Ah! Toile, voilà. Voilà. Après, j'avoue, j'essaie de lier une amitié, mais peut-être que ce serait plus dans mon intérêt de me faire pote avec lui. Une descendance pour ma dynastie. C'est la fille de qui? Sœur. Beauf. Ah, Anne Capet. Tiens, Anne Capet. Bah tiens, tant que t'es là, Anne Capet, on va faire de toi une claque et on va dire que tu te maries en matrilinéaire à quelqu'un possédant Sweden du Danemark. Bah pourquoi pas lui plutôt même. Attends, attends, attends. Lui, il peut gagner des terres, donc. Oh. Bah alors. Oula, tout change. Allez, hop. Machin du Danemark. Comment ça, population algérienne? Moyen, là? La thune, la thune, l'argent, la magnificence, le cours, mais tout, c'est faux, mais c'est bon, ça, mais oui. Ça fait plaisir.
Ouais, ça va, même si je... Ouais. Tranquille. Ok, et pour être sûr de... Toi, disais-je? Ah merde, lui, il est mort. Ok, ça c'est chiant parce qu'il était pas mauvais. Alors, un bon intendant, mon vassal. Du Guillaume de Toulouse. Il a trois titres. T'as combien de titres, toi? T'as un titre. Ah, je prends de lui. Voilà, une petite guerre rapide là. Ça devrait me faire gagner en prestige un peu. Oh. Wow. Merde, 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 merde. Oh, ils vont gagner quand même. Non, ils vont pas gagner, putain de con. Ok, c'est bon. Le con, ce système, mais bon. Allez, allez, allez. Un règne inspirant par vassal puissant au conseil. Ça, c'est pas mal. Hop, hop. Ouais, reviens là, ouais. Allez, plus vite la guerre. Bon, bah reviens là, ça sert à rien que tu sois là. Voilà! Allez, voilà. Enfin, une première guerre de fait. Dispersé, tac. Alors, vérification. Ça, qui m'en veut? Lui, il m'en veut. Dis-toi. Hop là, Gagligari. Bon, j'ai perdu un paquet de fric avec tout ça, j'ai gagné du prestige, j'ai sûrement gagné de la légitimité avec. Sûrement. Et maintenant, il faut que je continue à me faire pote avec tout le monde. Donc, toi, commencez par toi, deviens mon pote, toi. Plus j'ai de potes, mieux je me porte. Alors, comment elle se débrouille, la reine? 2800, elle va gagner sa guerre. Si je voulais me la tuer maintenant, 27%, c'est déjà mieux. On va essayer, tiens. Y a force, ça fait des accumulations de coups règne, donc ça je pense ça fout un peu dans la merde. Et en plus, sa fille, enfin je sais pas si c'est fille, non c'est sa sœur, 14 ans, elle est quand même jeune, elle a quand même 18 ans, elle est déjà. Mais dans l'idée ça va vraiment permettre de foutre le sbleu au niveau du territoire. Toi t'as quel âge toi? 12 ans, ok. Alors qu'elle apprenne à m'aimer. C'est horrible ce que je dis, mais il va falloir qu'elle apprenne à m'aimer. Alors, prisonnier, est-ce que quelqu'un a des compétences quelconques? Non. Donne le fric. Toi, non. Du coup, donne le fric. Toi, ça fera toujours un chevalier en plus, mais bon. Ah, ça fait toujours un trait qui peut être utile, ça. Mais combien il me donne? Il me donne rien. Du coup, hop, à récupérer. Recruter, hameçon. Non, tu prononces pas les vœux. J'ai besoin de toi. Toi, tu me rapporterais combien? 10? Ouais. Tu vaux 10. Tu vaux 10 à tout péter. Alors, est-ce que... Ah, qui c'est lui? Mon cousin. Ah! Bon, c'est le seul. C'est le seul. Donc ça devrait le faire. Lui, on a pour 5 ans. Et comme on peut le voir ici... C'est mon ami, du coup, il y a un petit 0,16. Ça fait plaisir. Mais par contre... Ah, on va lancer cette activité... Risqué. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Hop là. Mais du coup, cet épisode commence à être long. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.